un choix. C'est Berdaïes qui commence et pas Chipperfield. C'est parti. Je disais tout à l'heure lorsqu'on a échangé avec lui, alors que Vadouts va se créer peut-être la première occasion avec une frappe. L'arrêt de Fayoulou, pas content. De temps sur le terrain mais aussi en dehors et ça renforce forcément les liens. Nouvelle possibilité pour Vadouts. Attention, il y a danger, il y a danger. Fayoulou obligé de... Elle est toujours là, elle est toujours jouable, ça combine bien, il va peut-être y avoir un centre. Pas de problème pour Benjamin Buch. Il y a de la place pour une frappe qui va terminer juste à côté du poteau gauche de Fayoulou. Jeu aérien. Les joueurs de Mark Schneider sont mieux, le poteau qui tremble, le bras content du tout. C'est vrai que... Dans le jeu aérien tout à l'heure, ça a été difficile de sortir. Là, ça l'est tout autant. Ça termine au fond. C'est un autogol. Ouverture du score du FC Vaduz sur ce corner à la suite du poteau de Guelmi. 40e minute. C'est parti. Ça s'est dévié au premier poteau. Ça termine au fond. Il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. Théo Berdaïes ne marquera pas son trou. Deuxième poteau, la sortie de Buchel. La sortie de Buchel. Ce sera un 100 mètres. Et des occasions, le FC Sion n'en a pas beaucoup. Attention à ce ballon qui va terminer en corner. Plus menaçant. Depuis quelques minutes, le FC Sion cherche, mais ne trouve pas comment tromper Benjamin Buchel. Ça aurait pu être ici, sur cette séquence-là. Le bon ballon. Et la frappe qui va terminer sur la latte. Le corner, parce qu'elle est déviée, cette balle. La frappe qui va terminer au-dessus. Cherche Chipperfield de la tête et cette fois la balle qui termine au fond, l'égalisation du FC Sion, tout le banc est debout, tout le banc a sauté de joie, but de Dejan Sorgic. Comme le ballon voyage de droite à gauche et de gauche à droite, la balle qui termine au fond, le FC Sion qui s'impose, Dejan Sorgic, deux buts en l'espace de quelques minutes seulement. Session est renversant. Le FC fait son avantage, c'est fait. C'est une victoire à l'arrache, mais c'est une victoire tellement importante pour le FC Sion de Didier Tolo, qui était vraiment, vraiment très...